Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonjour Stéphane. Bonsoir Cora, bonsoir Mélissa Bruel. Ah Brigitte, vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir Alice. Bonsoir Sandra. Alors, j'en ai raté. Bonsoir Marie-Elisabeth. Bonsoir Seb, bonsoir Sybille. Bonsoir tout le monde, ça va déjà trop vite. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2022. Bonjour Écureuil. Fatia? C'était pas Fatima? Bonsoir Vérofond, bonne année 2022. Brigitte, bonne année, hein. Bonne année à tout le monde. Merci Stéphane, belle année à vous. Megan, bonsoir. Alors, comment ça se fait que maintenant, il n'y a plus le nombre de connectés? Tout a changé. Alors. Bonjour Angelina, bonsoir. Karine Garcia, bonsoir. Maud, bonsoir. Alors, combien vous êtes? Parce que je vois plus rien maintenant. Je sais pas pourquoi. Je vois plus du tout. Bonsoir et bonne année. Ah, bonsoir Céline Langlade. Meilleurs vœux. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venu. Il y a 100 personnes, Karine. D'accord. Mais je vois plus. Normalement, en haut, j'avais un petit compteur. Et là, je ne l'ai plus. D pour moi cette année. J'ai pas compris, Stéphane. Que ma grand-mère ou ma meilleure amie vous fasse des pour moi cette année. Ah ben, en haut à droite, ça bug, mais j'ai rien. Normalement, je l'ai en haut à droite et là, j'ai rien du tout. Donc, c'est pas grave. Ça va pas me perturber. Alors, retourner par les paramètres d'administration, sujet, cadeau. Pourquoi il y a des cadeaux maintenant? Alors, en espérant que. Merci. Merci, Ben. En espérant que. Bah, c'est sympa de me le dire au niveau des participants. Donc on est 208 apparemment, ce que je ne sais pas. Mais c'est pas un problème. Donc bonsoir Julien, bonsoir Écureuil, bonsoir Cécilia, bonsoir Ben. Alors Adeline a écrit nouveau donateur. Je sais même pas ce que c'est ça non plus. Enfin bon, je vous souhaite une belle année à tout le monde, une belle année 2022. En espérant que vous passiez tous une belle année. Oui, merci Jennifer. Super. On dirait que j'ai rajeuni alors que je ne fais pas du tout de chirurgie. Surtout la santé, oui, évidemment. Alors faites attention, oui, c'est frais. Pardon, c'est frais, je zozote, je ne sais pas pourquoi. Il y a des faux profils qui circulent. Donc, si ce sont. Parce qu'apparemment, ce sont des personnes qui vous proposent directement des consultations. Alors, dites aux personnes que vous connaissez ou je ne sais pas. Surtout vous, faites attention. Parce qu'en fait, je ne viendrai jamais vous demander une consultation. Je suis vachement occupé. Donc, bonsoir Cécile. Je suis vraiment très occupé et ce n'est pas du tout ma façon de procéder. Je ne peux pas me permettre en plus de parler à 15 000 abonnés. Et enfin, je suis déjà assez pris, donc je ne pourrais pas vous parler directement. Ce n'est pas possible. J'ai une assistante, j'ai un secrétariat. Donc, si vous voyez que quelqu'un vous parle, ce n'est pas moi, hein. Et qui vous rajoute, etc. Meilleurs voeux à tous. C'est des fakes. Brigitte Boulacel, on dit brouteur. C'est bizarre comme expression, ça.
Il y en a apparemment beaucoup sur Internet. Il faut faire attention. Je pense qu'ils doivent regarder tous les abonnés et il faut bloquer et signaler sur tous les comptes. Alors TikTok m'avait bloqué la vidéo où je montrais quels étaient les deux faux comptes et le vrai. Et finalement, j'aurais écrit un mail assez salé et ils m'ont débloqué la vidéo. Mais ils n'ont pas bloqué les deux faux comptes, donc c'est quand même étrange. Mais c'était comme ça. Je peux rien y faire. Donc s'il vous plaît, si vraiment plus on est de toute façon, plus on est à dénoncer ce genre de personnes et plus ils vont être signalés, plus ils vont être bannis. Si personne fait rien, on va jamais y arriver parce que j'ai aucun pouvoir et je peux pas être certifié parce que j'ai pas 3 millions d'abonnés. Donc je pourrais pas faire quoi que ce soit. Et merci pour les abonnements, merci pour les j'aime. Alors, en espérant que cette vidéo ne bug pas, ce qui est pas gagné puisque je n'ai pas le nombre de personnes qui se connectent, j'ai pas grand-chose en fait qui s'est affiché. Ouais, ne payez rien, merci Cécile, sur TikTok. Vraiment, sur TikTok, vous avez mon vrai profil, ça redirige sur mon Instagram, je vous enverrai jamais de message. Et les seuls trucs que je propose sur TikTok, c'est la question à 30 euros et le domaine à 50 euros. Et je réponds sous format vidéo, mais il y a une bande aussi, il y aurait écrit tout droit réservé. Et alors pourquoi ce tarif? Déjà, sur le domaine à 50 euros, Snipfeed prend à peu près, je crois que c'est 8 ou 9 euros quand même, ils prennent beaucoup. Et ça dépend où vous habitez aussi, parce qu'il y a des personnes qui prennent des réservations par des États-Unis, de la Belgique, de la Suisse, de l'Autriche, du Maroc, de Tahiti, enfin j'ai plein d'endroits. Et en fait, plus vous êtes loin apparemment, plus il y a des frais déjà. Alors, pensez à recharger le téléphone. Donc déjà, il y a 9,50 € je crois de frais Snipfeed. Et ensuite, sur ce qui m'est reversé, donc on va dire sur les 50 euros du domaine. Il y a 41 euros qui m'est reversé. Sur les 41 euros, il y a 45% d'URSSAF dessus. Hein. Donc le domaine, vous faire une réponse à un domaine, ça va me faire 20 euros et encore pas net dans ma poche. Ça va me faire 15 euros à peu près net. Donc voilà, c'est pour ça que les tarifs sont comme ça. Et bonsoir Angélique, bonne année. Bonsoir Géraldine. Bonsoir tout le monde. Ah voilà, c'est bloqué. Alors il y a des bugs. Alors je pense que le mieux, ça serait de recharger. Alors il y en a qui vont recharger le téléphone. Moi je vais terminer ce live et je vais revenir de suite pour voir si ça bug moins parce que c'est quand même bizarre pour qu'on soit sûr de pouvoir rediffuser le live sur YouTube. Parce que si. Ah, lumière de REM, bonsoir et bonne année. Alors j'enlève. Alors qu'est-ce que je fais? C'est si je me déconnecte et je me remets? Non, je fais pas de TCI, Kevoche. Je fais en direct, je fais pas de TCI. Alors, est-ce que ça bug chez vous ou pas? Il y en a qui disent qu'on est 4000 déjà. Ah bon? Non, il y a 4300 j'aime. Ça bug pas? Bon, écoutez, on va voir. Bonne année à tous. Il y a des visages que je reconnais, un peu des macarons, des petits médaillons, des petits macarons. Alors, bon, ben j'espère que on va avoir des bons contacts défunts et qu'on va surtout pouvoir enregistrer la vidéo parce que TikTok, une fois sur une, ça bug. Alors, apparemment, si vous partagez le live, si vous aimez le live, ça permet d'être plus vu ou je sais pas. Enfin, j'y comprends trop rien. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis là pour vous donner des messages. Et puis, je sais pas si vous avez vu le dernier live. Non, j'avais essayé il y a longtemps les baguettes de sourcier. Je sais pas si vous avez vu le dernier live. Il est rediffusé sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium. Donc, vous tapez dans YouTube Nicolas David Medium. Ah, ça y est, j'ai les personnes qui arrivent là. Ça y est, ça marche, ça a débugué. Et c'était le live avec Chantal. Alors, pour ceux qui connaissent pas les lives, mes lives avec moi, je réponds pas forcément à vos questions quand vous écrivez.
Ça ne me dérange pas vraiment si vous écrivez. Par contre, s'il vous plaît, quand je suis en connexion avec quelqu'un, si vous pouvez réduire le nombre de commentaires et la personne à qui je m'adresse seulement peut m'écrire en majuscule, que je puisse la différencier de tous les commentaires, parce que moi j'en ai vraiment énormément. Liliane, source de Val, bonsoir, bonne année. Vous avez la rediffusion des lives si ça ne bug pas avec TikTok, des contacts défunts sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok et Instagram, et peut-être pourquoi pas sur YouTube, peu importe. Mais vous pouvez les voir et réécouter ces messages de défunts qu'on vous envoie. Alors les défunts se manifestent d'eux-mêmes. Je ne vais pas chercher par rapport à vos questions ou à aux personnes qui sont là sur le live. Je ne regarde pas ce que vous écrivez. Je me connecte aux personnes qui viennent me voir de l'autre côté. Merci pour les abonnements. Et par contre, c'est très précis. Je vais vous dire souvent un prénom. Alors parfois, ça peut être, parce que ça m'avait fait sourire, où j'avais une vieille dame avec des lunettes, un tablier. On m'a dit oui, comme toutes les vieilles dames. Mais après, ça se précise, puisqu'on va me dire le prénom ou d'un frère ou d'une sœur ou de la façon dont la personne est partie, est décédée. On va me donner plein d'informations qui font que tout doit matcher en fait. Quand vous êtes connecté, ça doit matcher. La dernière fois, on a eu Chantal qui est décédée d'un cancer de la moelle osseuse. Elle avait deux sœurs, Laurence, alors je ne sais plus si c'est Marie ou Maryse, mais elle avait ses deux sœurs. Son mari ne croyait pas qu'elle était décédée. Il avait tout laissé tel quel dans la maison et il faisait des allers-retours au cimetière tous les jours et il coupait des fleurs sur son chemin. Et donc en fait, on a eu son neveu Florian qui était sur le chat et qui a dit bah, c'est ma tante. Et en fait, il avait son oncle au téléphone et son oncle pleurait énormément parce qu'il disait c'est pas possible, comment il fait pour savoir tout ça? Et ça collait vraiment, hein, c'est vraiment Chantal décédée du cancer de la moelle osseuse avec ses deux sœurs, Marie ou Maryse et Laurence, la maison et tout ça. C'est pas. Parce que je vais vous dire Chantal, après vous pouvez penser que ça correspond à chacun de vous, mais vraiment c'est. Oui, les gens qui sont habitués, ils sont contents, oui. Alors c'est pas tout le temps. Ne vous dites pas que c'est récurrent à 100% du temps, mais souvent quand je fais les connexions défunts, enfin, c'est souvent précis quand même, hein. Mais j'espère que parmi vous, ils se connectent là, ça y est. Et aussi, ça me fait pleurer, mais alors quand je pleure, vous inquiétez pas, c'est pas de la tristesse, hein. C'est juste que je ressens énormément d'amour parce que ça leur demande beaucoup d'énergie. Ça y est, ils sont là. Ça va être sympa. Bon, protégez-moi, mon Seigneur d'amour, pendant ces connexions. Alors, les guides, mettez-moi en connexion avec les défunts. Pierre, il a une voix très grave. Il est fin, il est grand, il a des lunettes. Comme un professeur. Alors, c'est quelqu'un de très intelligent. Il y a l'histoire, hein. Il y a l'histoire, il y a la politique, vraiment très intellectuel. Donc, Pierre, les modérateurs, ils vont vous reprendre ce que je vous dis. Hein. Pierre, grand, fin, je crois qu'il a bien, un peu comme un costard en fait, assez ample, c'est pas ajusté. Il y a une chemise blanche, c'est tout en gris. Il est fin, il a une mèche. Pierre Duval, ça vous parle? Duval? Duval. Les lunettes, histoire, politique, c'est très très précis. Hein. Est-ce que ça parle à quelqu'un du chat? Alors c'est Pierre, il est grand, il est fin, il y a la politique, il y a l'histoire, c'est quelqu'un de très intellectuel. Alors Duval, ça peut être pour d'autres.
Peut-être d'autres précisions, hein, parce que ça peut être une ville, ça peut être, c'est pas forcément un nom, hein. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais pas Duval. Alors, qui est cette personne? Alors, c'est pas Alexandra ou un truc comme ça? Iris, c'est pas Iris? Isis, Iris, quelque chose comme ça. Alors, je vais me continuer la connexion. Alors, il a une fille. Oui, je me concentre. Il y a Laetitia en prénom. Alors, il y a Laetitia. Alors, Alexandra, est-ce que votre beau-père ressemble à la description? Y a Laetitia en plus et Marie en prénom. Vous pouvez écrire en majuscule, hein, Irsa Alexandre. Parce que je dois en avoir plusieurs à la fois. Alors, est-ce que c'est vous qui avez un petit? Vous avez un enfant en bas âge, du coup, Alexandra? Laetitia, pourquoi on dit Laetitia, Laetitia? Laetitia, il y a un rapport avec le prénom Marie. Marie, Laetitia, Marie, Laetitia. Pas d'enfant. Alors, pourquoi les anges? C'est bizarre parce que je vois un petit garçon, Alexandra. Quelle est votre date de naissance, Irsa Alexandre? Bonsoir tout le monde et bonne année à tous et à toutes. Laetitia, est-ce que votre mari est malade? Ah, alors il y a Laura aussi. Pierre grand fin, mais sur le côté, Marie, c'est sa femme. Alors, Laura Gossio 7, vous pouvez écrire en majuscule, s'il vous plaît. Alors, il faut que je cherche par rapport à tous les messages. Ah, il est décédé, mais il a eu une grosse maladie du coup. Il est resté longtemps à l'hôpital, Laetitia. Alors, Laura, je sais même plus ce que j'ai dit, je suis tellement connecté là. Et c'est vous qui galérez pour avoir un appartement, Laura? Il y a un problème au niveau immobilier?
Est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Alors, je pense qu'il y a deux défunts en même temps, puisque du coup, il y a Alexandra qui parle. Elle a un problème immobilier avec un héritage. Mais alors, pourquoi je vois un petit garçon avec Alexandra? Parce qu'après, avec les chats où vous êtes plus de 500, c'est compliqué, hein. Il y en a plusieurs de défunts. Alors, je suis avec, du coup, Alexandra, avec Laetitia et avec... Marie, je sais plus, Laura, Laura. Alors. Il y a quelqu'un qui a Duval, il y a un truc avec Duval. Bonsoir Daniela, bonne année. Il y a quelque chose avec Duval, Duval, Duval. Alors les anges, on se concentre. Je vais essayer de faire un par un. N'essayez pas de me parler tous en même temps, s'il vous plaît. Alors, Alexandra. L'héritage, ça va se résoudre apparemment dans l'année, Alexandra. Il faut attendre, je crois, vers le mois de juin, hein, à mon avis, pour cette résolution. Là, je parle à Irs Alexandre. Après, j'ai Laetitia et son mari, les anges. Est-ce que... je vous disais, est-ce qu'il est resté longtemps à l'hôpital du coup? Ah, Christelle, est-ce que votre père est plutôt érudit? Il y a la politique, il y avait le côté très intellectuel. Christelle 74. Et est-ce que vous avez un projet d'auto-entreprise ou d'être indépendante, Christelle? Alors c'est Christelle 74. Ah, vous êtes indépendante déjà? Mais est-ce que c'est quelque chose avec l'artiste? J'ai trois personnes à la fois, c'est dingue. D'habitude, ils font un par un. Alors, perso, mon beau-papa est décédé il y a un an d'un long cancer généralisé. D'accord. Donc, déjà, on a Irs Alexandra. Il faut que je note parce que je ne vais pas m'en rappeler. Ensuite, écrivez en majuscule ceux à qui je parle, s'il vous plaît. Alors, Christelle 74, vous demandez, est-ce qu'il y a un côté artistique dans ce que vous faites? Genre, je sais pas, les bijoux, la poterie, mais vous vendez pas des légumes ou du jambon, quoi. Quelque chose de plus artistique. Alors, vous faites les vêtements, d'accord. Alors pourquoi il y a l'artistique avec vous, Christelle? Et Irs Alexandra, il y a Christelle. Laetitia, je ne sais pas où elle est partie. Donc vous voyez pas. Alors, Christelle, les anges.
Votre papa, Christelle 74, s'appelle bien Pierre Duval, du coup? Est-ce qu'il a fait des examens médicaux? Donc ça, c'est bon. Qui est François autour de lui? Ou de vous, hein? Ah, Laetitia, vous êtes là. Je vais continuer aussi avec vous, Laetitia. J'essaye de faire avec les trois défunts qui me parlent en même temps. Oui, il est souvent dans les hôpitaux, mais pas de François. Il y a quelque chose avec François. Christelle. Alors. Pierre Duval, les hôpitaux. Alors, il y a une infection pulmonaire, apparemment, avec votre papa. Et il y a aussi problème de. Il doit y avoir ou équilibre, ou la tête aussi qui va pas. Hein. J'ai l'impression qu'il est en boucle, votre père. Pierre. Mais est-ce qu'il est veuf du coup? C'est bizarre qu'il soit en boucle comme ça, parce que je le vois beaucoup dans la solitude. Bonsoir tout le monde. Bonne année à tous, hein. Merci pour les j'aime, les abonnements. Mais comme je suis en connexion. Ah, voilà. C'est pour ça, Christelle. Il y a 3 ans, ok. Donc c'est pour ça qu'il a les problèmes aussi, où il est un peu perdu. C'est ça qu'on me disait, d'accord. Et c'est fou qu'on m'ait dit le nom et le prénom de la personne. C'est quand même dingue. Donc il va falloir beaucoup le soutenir, apparemment. Votre père. Peut-être que c'est sa femme qui vient vous parler, je sais pas, j'ai pas la personne qui me parle. Hein. Peut-être que ce sont mes guides. Hein. Christelle 74, vous êtes où? Caro, je vous ai mis en modératrice parce que vous êtes en forme à part. Christelle 74, ma fille aussi est décédée. Ah, ils m'ont pas dit ça. Normalement, ils me le montrent quand même. C'est dingue. J'aurais dû le sentir ça pour votre fille. Oh, je suis vraiment désolé pour vous, Christelle. Mais est-ce qu'elle a connu votre père du coup? Est-ce qu'elle était très proche? Oui, mais soyez gentil si vous êtes modo, hein. Oh là là, il y a des gens, mon Dieu. Alors, oui, assez proche, souvent avec lui. C'est fou parce que. On m'a pas dit je suis une fille ou je suis partie en 2008 et mon grand-père me manque ou quoi. J'ai vraiment. J'avais le prénom, le nom. Ce qui est fou, c'est que je ne sais pas pourquoi il y avait un côté artistique chez vous. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a ça. Je sais qu'il faut vous occuper beaucoup de votre père. Bonsoir tout le monde.
Mais c'est vraiment la première fois que je sors un nom et un prénom en même temps. Non, ça m'est arrivé deux fois. Mais ça, c'était en disant à une dame, vous connaissez un Thomas et un Mathieu? Et puis, j'ai dit, une rencontre en juin. Et puis, elle a rencontré un Thomas Mathieu. Son nom de famille, c'était Mathieu. Ah, elle avait 2 ans et demi. Je suis vraiment désolé, Christelle. Mais peut-être c'est par ce live, ça vous montre bien qu'il y a une vie au-delà de celle qui est terrestre. Et peut-être que si je suis autant précis, c'est encore plus pour attester le fait d'y croire et qu'elle est bien et que rien ne s'arrête. Ça me touche beaucoup, hein. Alors, vous avez un souci avec des travaux, quelque chose comme ça? C'est comme si on me montrait des gravats de pierre et je comprends pas en fait. Ah, vous devez pas venir sur le live et vous êtes venu. Bon, c'est bien Christelle. J'aime bien quand c'est comme ça, que ça permet aux gens d'avoir quelque part une révélation, mais pour eux-mêmes. En tout cas, moi, je suis personne, s'ils sont pas derrière moi et qu'ils me parlent pas, j'ai pas vraiment de mérite, si vous voulez, je suis un messager. Mais je suis content si ça peut vous faire du bien et si ça peut vous faire croire au fait que votre fille est toujours présente, que vous pouvez lui parler. Et peut-être qu'elle vous donne aussi des messages par rapport à votre père pour que vous soyez plus proche et que vous soyez moins perturbé. Donc, je suis vraiment content en fait, si ça peut vous aider sur votre chemin. C'est dommage que je ne savais pas que c'était votre fille qui était partie. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, dites-vous que c'est un cadeau, oui, comme disent. Les gens sur le live, c'est un cadeau. Et parce que vous êtes beaucoup quand même à venir. Et c'est pas évident d'avoir des messages. Alors j'en étais aussi à Laetitia. Et Irs Alrand, c'était héritage problème. Et je sais pas pourquoi avec vous, je voyais un petit garçon. C'est Alexandra, je vais dire peut-être. Ben Bouchra, bonsoir, bienvenue. Alors, Laetitia. Alors, il y a Véro et Christelle qui a répondu. Ben, je vous en prie, moi, je vous fais le messager, hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il y a mon petit livre, Le chuchotement des anges, et je vous raconte un peu comment je capte et un peu les anecdotes de ce qui m'est arrivé. Vous pouvez le trouver partout, Le chuchotement des anges. Et merci pour les abonnements, merci pour les j'aime, merci pour le partage, merci pour tout. Donc, à mode, c'est vous qui l'avez commandé? Alors, j'en étais à. Il m'en reste deux, Alexandra. Enfin, deux à finir. Et après, je vous ferai pour les autres. C'était, pardon, Laetitia. Laetitia, il y a un Romain autour de vous. Alors Laetitia, il y a le mari décédé. Vous n'êtes pas en forme, hein, Laetitia. Alors Laetitia, ça va pas du tout.
Alors, pas de Romain, il faut le noter, hein, sinon, si c'est une rencontre qu'on vous amène, si on me donne. Alors, essayez d'être calme pour qu'on ait des bonnes ondes sur le chat. Merci pour le modérateur, merci Cécile, hein, ça doit pas être trop évident. Laetitia, donc pas la forme, ça pas du tout. Il va falloir voir quelqu'un, Laetitia. Parce qu'il y a l'énergie qui est trop basse, Laetitia. Et si vous vous faites, parce que c'est écrit là, quand je clique sur votre petit macaron, je vois qu'il y a écrit que vous faites les cartes, tout ça. Et il faut savoir que quand on est connecté à l'autre monde, on ouvre des portes vers d'autres dimensions. Et du coup, on attire, si on n'est pas dans une bonne énergie ou si on ne s'est pas blindé, on va dire comme ça, protégé, vous pouvez attirer des énergies basses. Donc, il va falloir que vous voyez quelqu'un pour vous remettre en place, en fait, hein, Laetitia. Il va falloir vraiment vous remettre l'énergie en ordre. Et en plus, vous êtes énormément empathique. Il y a écrit dans votre description que vous travaillez en EHPAD. Et du coup, je pense que ça vous touche énormément les personnes avec... pas forcément avec lesquels vous travaillez, mais en fait avec qui vous avez un lien direct, hein, quand vous occupez d'elles, et du coup vous aspirez toute leur énergie négative. Il va falloir vraiment vous blinder. Alors n'utilisez pas 15 000 pierres ou de l'huile d'olive ou autre, hein. Généralement, bon, moi je suis croyant, je fais des prières, mais il y a des personnes qui sont très bien pour pouvoir vous aider. Et vous avez le droit de rencontrer quelqu'un d'autre, Laetitia. C'est qui Marjorie? Ça m'est venu d'un coup. Laetitia, vous connaissez une Marjorie ou pas? Et Caroline, il y a ces deux prénoms. Bah allez. Franchement, je pense que c'est mieux de s'imaginer une protection autour de soi que d'avoir 50 000 pierres et... Il y en a certaines qui fonctionnent, mais moi je connais pas tout ça. Vous êtes plus là, Laetitia? Ah, c'est votre collègue, mais avec qui vous êtes proche ou pas du tout, du coup? Parce que c'est comme si... S'il fallait pas trop faire confiance, en fait, hein. Caroline, ça ne m'évoque pas quelque chose de confiance. Ah. Je pense qu'il faudrait peut-être vous méfier parce que quand on me donne un prénom comme ça et qu'on me dit que c'est autour de vous, je pense vraiment qu'il faut s'en méfier, ouais, Laetitia. Méfiez-vous de Caroline. Donc, se réénergiser, faire les protections. Essayer d'être moins empathique, mais ça, c'est un peu compliqué quand même. Et vous avez un blocage au niveau utérin, Laetitia. Vous avez fait un blocage. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez une petite fille ou si vous allez la voir. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on me dit que ça fait comme si c'était sur pause, en fait. Vous n'êtes plus là, Laetitia?
Alors n'oubliez pas que vous pouvez revoir le live normalement si TikTok l'a enregistré sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium, c'est moi, pour avoir à nouveau les messages. Laetitia, elle a dû partir, elle a dû être perturbée peut-être, je sais pas. Il y avait Marjorie, on me disait Marjorie. Alors Marjorie, il faut que je m'occupe de Marjorie maintenant. Merci Laetitia. Alors Marjorie. Bonsoir tout le monde et bonne année, hein. Bonne année à tous. Ouh, il y a des gens qui vont déménager là sur le chat. Alors, Marjorie, je ne sais pas où elle est. Marjorie. Est-ce que vous travaillez pour une association ou est-ce qu'il y a une lutte pour une association? J'ai un homme et une femme avec vous. Il y a deux personnes. Ah, alors écrivez en lettres majuscules s'il vous plaît. Alors Marjorie da Silva 80. Alors. Ah, alors. S'il vous plaît, quand je m'adresse à quelqu'un et que je suis en connexion, en fait, je suis en connexion avec les défunts qui se présentent à moi. Je ne vais pas répondre à vos questions et je ne vais pas me connecter forcément à un défunt à qui vous voulez parler. Je ne marche pas avec le... Regardez, Marjorie, ce que j'avais écrit. Marjorie, papa décédé. J'avais ça qu'on m'avait fait écrire. Donc, les défunts viennent à moi. Je vous donne volontiers les messages. Par contre, je ne... Si vous écrivez, j'aimerais parler à ma mère, je sais pas. Je peux pas voir les messages, vous êtes beaucoup. Et je vais pas m'arrêter sur ces messages-là. Et s'il vous plaît, quand je suis en connexion avec quelqu'un, si vous souhaitez écouter, écoutez. Sinon, vous pouvez aller sur un autre live, hein, c'est comme vous voulez. Mais que je puisse avoir les messages de la personne, parce que vous êtes énormément et je ne vois pas à qui je m'adresse après. Et je ne réponds pas aux questions. Je suis désolé, mais j'ai des messages à faire passer, donc je vous les donne volontiers. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'agressivité sur le chat, il ne faut pas qu'il y ait tout ça. Il faut que ça soit... Et vous pouvez revoir le chat plus tard, hein. Alors, Laetitia, je vous avais écrit tout à l'heure, Marjorie, papa décédé, là. Papa décédé. Est-ce que votre père est décédé, Marjorie? Est-ce que vous êtes dans une lutte pour une association ou autre? Et est-ce qu'il y a quand même le fait d'être perdu en amour aussi? Allez-y, Val. Vous êtes gentil, hein? Ah, Marjorie, vous m'avez dit oui. Alors oui, pourquoi Marjorie? Parce que je ne sais pas à quoi vous répondez. À tout, oui. Parce que moi, j'oublie vite, hein, quand je suis en connexion. Alors, il dit de vous recentrer par rapport au fait que vous êtes perturbé beaucoup en amour. Il y a le, vous avez besoin énormément d'être rassuré, d'être cajolé. Il y a un manque d'affection quand même qui est terrible avec vous. Et il y a un manque aussi de confiance. C'est fou parce que vous pouvez paraître comme... limite, vous pouvez gêner. En plus, on peut être très vite jaloux, enfin plutôt jalouse de vous, entre femmes. Mais on dit que ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes en fait hyper gentille, hyper bienveillante. Mais vous avez tellement peur, vous n'envoyez pas forcément la bonne énergie autour de vous. Et on vous dit de vous recentrer également et de faire confiance à la vie. C'est bizarre parce que j'ai toujours ce Romain dans la tête. Alors, je ne sais pas si c'était pour Laetitia tout à l'heure ou si c'est aussi pour vous.
Pourquoi il y a Bordeaux, la ville de Bordeaux avec vous, Marjorie? Est-ce que vous êtes déjà allé ou c'est quoi cette ville? Pourquoi il y a cette ville? Ben faites-vous confiance, Marjorie, il faut connaître votre valeur. Vous méritez, hein, vous êtes trop empathique aussi. Hein. Ah, c'est votre ex, Romain. Ah, d'accord. Du coup, c'était pour vous, parce qu'on disait non, c'est Romain, c'est pour elle, c'est pour elle. D'accord, ok. Donc, c'est votre ex. Ben, pensez pas à votre ex. Et si les personnes vous font du mal, parce qu'en fait, on veut essayer de vous maîtriser, c'est bizarre, ça. Ben, je ne sais pas pourquoi il y a le lien avec Bordeaux, alors si vous êtes allé qu'une seule fois, peut-être vous allez y retourner. En tout cas, il y a quelque chose de symbolique avec la ville de Bordeaux. Hein. Et Romain, votre ex, il vous a... Enfin, si les gars vous embêtent, c'est parce qu'ils veulent vous posséder quelque part. Et pourquoi ils veulent vous posséder? Et qui sont extrêmement jaloux, c'est parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Tant que vous ne connaissez pas votre valeur, vous allez vous laisser manipuler. Il va falloir réagir, Marjorie. En fait, vous avez la clé. Quand vous... Ah, je ne vous ai pas oublié, Laetitia. Hein. Ne vous inquiétez pas. Non, il n'y a pas de question. Je vous donne les messages des défunts. Oui, ben, vous allez résoudre vite hein, ce problème. Alors, il y a Cécile Andreu qui est modératrice ici sur le chat, mais qui a un métier incroyable aussi, qui est hypnothérapeute et qui vous aide, que ce soit dans le développement personnel ou autre. Et cliquez sur son médaillon. Elle a un site internet, elle a Instagram, elle a TikTok, elle a tout ça. Bon, vous avez des beaux messages quand même, c'est bien. Thérapie holistique. Patience et bienveillance, c'est vrai. Gaïa. Alors, vous voyez, quand il y a des messages, c'est toujours précis. C'est pas juste, oui, il y a un monsieur qui est derrière toi et qui t'aime. Hein. C'est pas du tout ça. Et moi, je demande rien. Je vous pose pas de questions en fait. J'essaie pas de creuser avec des questions. J'essaie toujours de dire moi ce que je ressens. Et il faut que vous puissiez m'infirmer ou me confirmer ce que je suis en train de vous annoncer. Mais c'est pas une. Vous verrez, il y en a beaucoup sur TikTok qui font croire qu'ils sont médiums et qui captent des informations alors que pas du tout. Alors, je fais aussi des conférences et des contacts défunts pour des associations, que ce soit à Paris, dans la France entière, bientôt au Canada et en Suisse. Il va y avoir des masterclass aussi pour vous permettre de trouver un peu le chemin. Les masterclass, je suis médium de naissance. Les masterclass, elles vont être disponibles à partir de mars. Ça sera par petits groupes, comme ça vous pouvez poser vos questions. Je vais essayer de faire des lives contact défunt en comité réduit aussi, pas comme sur TikTok, pour permettre à plus de gens d'avoir des contacts. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je sais plus. Parce que j'oublie, une fois que je suis connecté, j'oublie. Alors, d'autres messages. De la médiumité. Alors, le nom. Mais en fait, les défunts. Il y a une personne qui a demandé, j'ai vu passer vite, comment les défunts ils savent qu'on est en live. Mais en fait, les défunts. Ce sont des âmes, ce sont des énergies et qui sont présentes partout. Et en fait, c'est pas, ils savent qu'on est en live, c'est que c'est comme ça. Ils me disent à moi, il faut que tu ailles sur Internet et que tu parles à des gens et que tu leur passes des messages. Alors, vous pouvez revoir le live sur, si ça n'a pas bugué, sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium.
Il y en a plein qui... Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements. Après, j'en fais aussi sur Instagram des lives, comme vous êtes moins nombreux. Il y a plus de facilité d'avoir des messages. Après, il faut que vous soyez abonné pour voir quand je suis en direct. Hein. Ben c'est beau, mais c'est fatigant hein, de donner des messages parce que moi, je fais mes journées consultation. Et après, le soir, j'ai envie de vous aider, évidemment, parce que je fais ça de façon gratuite. Mais pour les lives, mais ça fatigue hein, quand même. Alors, les anges, c'était... Il fallait pas que j'oublie. Oui, depuis petit, Bouchara. Depuis que je suis enfant. Alors oui, Insta, c'est plus... C'est pas perso, parce que j'ai un Insta perso, mais sur Nicolas David Medium, sur Insta, je partage un peu plus de choses sur ma vie. Ben, Christelle... Alors, c'est Christelle Ayenaï. C'est précis, en fait, les messages sont assez précis. Je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure. Alors, les anges. C'est dommage parce que je voulais venir... c'était après Noël. Je crois que c'était vers le 29 décembre. J'avais un défunt qui venait tout le temps, qui s'appelait Robert. Robert et qui fumait. Et c'était un monsieur qui avait un gros bidon. Oh, je dirais qu'il avait la soixantaine. Il était pas très vieux. Un peu, ça me faisait penser à celui qui faisait le boulanger. Le fils du boulanger, là. À Marius, ou je sais plus comment il s'appelait. Alors, les clés pour les évolutions spirituelles, j'ai fait dans les masterclass du 12 mars, pardon. Ah oui, les défunts donnent des significations sur l'avenir. Hein. Les animaux, oui, donnent des messages aussi. Ça m'est arrivé souvent d'avoir des animaux qui viennent nous voir. Alors, par contre, j'arrive pas à savoir si ce sont des âmes à part entière et s'ils évoluent. Si, si, Tuna, je vois. Mais ça dépend, en fait, vous êtes... 700 sur le live et du coup c'est compliqué pour moi. Alors Anna Maria, il donne des dates, c'est très rare, hein, ça m'est arrivé que quelques fois d'en donner. Hein. Alors, j'essaye de voir. Caroline 11078, vous êtes là depuis le début ou pas? Baluchon qui a mis un cœur. Merci pour les cadeaux, merci pour... Oh, 55 000 gemmes, ah, bah, dis donc. Merci à vous. Hein. Bonsoir tout le monde, belle année 2022. Ah Jessie, vous déménagez sur Bordeaux? Mais je vous l'avais dit ou pas? Je ne me rappelle pas. Je vous avais eu en consulte. Voilà. Bonsoir tout le monde. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements. Mégane ne m'avait jamais vu. Mégane, elle dit je suis épatée. Mégane Gobi. Alors, les messages pour les défunts après leur départ, alors ça dépend, parce que parfois ils vont venir vous voir directement, et parfois ils mettent du temps à... J'ai une amie qui a perdu sa maman, que je connaissais très très bien, hein, que j'ai connue pendant 20 ans, et elle est venue me voir au bout d'un an. Elle n'est pas venue de suite, alors que je pensais, vu les capacités qu'on m'a données, que je puisse avoir des messages plus rapidement ou plus facilement, et en fait non, comme c'est pas moi qui décide, c'est de l'autre côté. Ah Audrey, c'est la première fois que vous venez. Véro fond, je tapote sur l'écran, on envoie des j'aime à Nicolas pour sa gentillesse, c'est gentil. Véro fond, c'est une fan, hein. Je vais vous mettre un badge super fan. Marina, souvent, oui. Même la nuit, parfois. Mais ils me respectent la nuit. Ils viennent pas trop... Non, j'ai pas peur, non. Non.
Ah bonjour, de Tahiti, ouais. La première fois que vous venez sur le live. Ah, Tatiana, vous êtes là depuis le début aussi? Lilé, vous êtes nouvelle? Alors. Ah, vous avez le badge, Céline, sur Facebook? Le badge super fan? Bon, allez, il va y avoir d'autres défunts. Alors, par contre, j'aimerais savoir, je vous disais tout à l'heure, j'ai eu un monsieur, mais il est venu vers le 29 décembre, Robert, qui fumait. Qu'est-ce qu'il fumait? Il a un t-shirt blanc avec un gros bidon. Vous avez fini le livre, Céline? Alors, j'aimerais savoir si il y a quelqu'un qui a Robert. Parce que j'aimerais savoir si je peux. Ah, il est là. Alors, lui, par contre, il a les cheveux ébouriffés. Je trouve que c'est pas coiffé en fait. Ça montre que c'est pas forcément coiffé. C'était pas un fanat de la beauté. Il s'en foutait de tout ça. Hein. Il a son gros bidon. Alors, je crois que c'est la clope roulée. Hein. C'est la cigarette roulée. Qu'il a. Je vous parlerai du livre tout à l'heure. Il a la cigarette roulée. Et ça me fait penser un peu à Marius dans La fille du boulanger. Ça me fait penser un peu à ça. Oui, il est en e-book aussi sur Amazon, vous pouvez l'avoir. Je crois qu'en e-book, il est à 6 euros et quelques. Hein. Ah, Lilounette, vous pouvez écrire en majuscule. Vous pouvez écrire en majuscule. Paribot 83, essaye avec moi tes dons, tu vas être surpris. Pourquoi? Alors, en 6 heures, vous l'avez lu, Céline? Alors, Robert. Oui, c'est le prénom du défunt, Robert. Donc, il vient pour sa fille. D'ailleurs, je ne sais pas si elle s'appelle pas Laetitia aussi. C'est Lily quelque chose, donc c'est un surnom, je pense. Et il fumait beaucoup et pas du tout apprêté, il s'en moquait de ça. Alors, elle est où la personne? Oui, Lilounette. Ah, Lilounette. Donc ça fait Lilou, ça. Lilounette. Donc il fumait beaucoup et il n'était pas du tout apprêté, il s'en moquait. Mon Dieu, ça va me faire pleurer, ça encore. Bonne nuit, Iris. Non, mais c'est vraiment le papa pour sa fille. Alors je pense, Lilounette, que s'il vient, je suis sûr que s'il vient, c'est parce que vous devez avoir une fille. Il est super fier, il est vraiment fier. Hein. Et par contre, vous avez... Alors c'est pas possessif, c'est pire que Mère Poule, Lilounette, avec votre fille. En fait, ça fait vraiment comme ça, comme si vous la gardiez auprès de vous. Et il dit de toute façon, tous les câlins que tu lui fais, c'est comme si c'est moi qui les faisais à travers toi. Je sais pas si vous avez senti des frissons quand vous avez serré votre fille. Vous avez une fille, c'est ça, hein? Ah, c'est ça. Mais il est fier de... Pourquoi vous ne donnez pas le prénom? On donne les noms, les prénoms, on peut dire le prénom. Ah bah du coup c'est ce prénom, c'est ça, c'est Lilou alors du coup. Alors si vous sentez, il y en a plein qui disent j'ai les larmes aux yeux.
Si vous avez ça, c'est pas de la tristesse, c'est que vous êtes touché par l'amour, hein. Daniela, Audrey, merci. Alors, c'est votre surnom à vous, Lilou. Alors, ce papa, Robert. Du coup, ça fait un moment qu'il doit venir. Est-ce que vous m'avez connu avant, Lilou? Parce que c'est bizarre que depuis le 29, quand même, depuis le 29 décembre, je l'ai. Hein. Ah, ouais. MCD 1103, elle pleure. Pleurez pas. Ou vous pleurez d'amour, c'est bien. Ah, merci Mimi Joyeuse pour la commande. Alors, pardon. Lilou, vous pouvez m'écrire, hein, je vais vous répondre. J'arrive à faire plusieurs choses à la fois. Ah, vous m'avez déjà vu. Mais vous attendiez un message de votre père depuis longtemps, parce que ça fait depuis le 29, vous imaginez? Le livre, le chuchotement des anges, vous l'avez partout, vous tapez sur internet, le chuchotement des anges, Nicolas David, et vous l'avez en e-book aussi, et sur mon site, vous le commandez, alors il est à 22€ et pas à 15, le prix normal c'est 15, mais il est à 22 parce qu'il y a 7€ de frais de pochette cartonnée à la poste pour l'envoi. Donc je vais pas offrir les frais de port parce que j'en envoie je sais pas combien. Et on fait les dédicaces filmées. Enfin, je suis filmé quand je fais la dédicace. Bon, bonjour Laurie. Ah, ben vous voyez, il fallait pas dire ça. Il faut y croire, Lilounette. Merci pour ceux qui ont lu le livre. Hein. Avec la dédicace, c'est sympa, mais après vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous faites comme vous voulez. Hein. Alors là, je vais avoir quelqu'un qui est décédé de la tête puisque j'ai un mal de crâne depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on m'arrache le cerveau. Ouais, ayez toujours de l'espoir parce que vraiment, il y a des personnes qui ne croyaient pas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a même des défunts qui viennent parler donc à des personnes sur le live et ce n'est pas à eux qu'on s'adresse directement. On s'adresse à l'oncle ou à la tante. Et c'est quelqu'un qui parle au téléphone, qui raconte ce que je dis en live par téléphone à la personne concernée. Donc, merci Céline pour les cadeaux. Je ne sais pas comment ça marche, mais merci pour les jets, merci pour les abonnements, merci pour tout ça. Alors, 10 000 vues du chat, oh là là, comment on fait? Alors, n'ayez pas peur de recevoir... Oui, c'est tout. Vous avez vu, c'est toujours précis quand même. C'est ça qui est vraiment bien. Merci Seigneur, parce que... Alors, ils sont pas tout le temps auprès de nous, Lilé, parce que apparemment, ils ont comme des stages de l'autre côté. Ils peuvent pas être H24 ici. Alors, ils prennent l'énergie de tout le monde, hein, par contre. Hein. Ils prennent l'énergie de tout le monde pour que je puisse vous envoyer des messages. Oui, ils ont comme des missions de l'autre côté. Ben, je pourrais pas vous dire parce qu'ils me l'ont pas dit, mais... Alors... Marcella, je suis désolé. J'ai Marcella, j'ai l'Espagne. Ça chante. J'ai une personne bouclée. Marcella. C'est une personne forte hein, quand même. Hein. Forte. Alors c'est ou Espagne, ou Portugal, ou Lisbonne. Quelque chose comme ça. Marcella. Très forte. À l'hôpital. Elle a dû décéder à l'hôpital, je pense. Hein. Elle voulait pas quitter sa maison, elle. Elle voulait pas du tout quitter sa maison, elle était perturbée par ça et décédée de la tête. Alors, est-ce qu'elle est partie d'un AVC le dernier jour? C'est comme si on m'arrachait le crâne. Hein. Marcella, alors. Hein. Est-ce que ça correspond à quelqu'un, s'il vous plaît? Alors, après, Marcella, je sais pas, il y a un truc comme ça. Hein.
Mais votre tante s'appelle Marcella ou Martella ou quelque chose comme ça, Bouchra? Alors j'espère qu'on ne va pas avoir 10 défunts qui sont morts d'une tumeur au cerveau en Espagne. Hein. Ah, ça m'intéresse. La chouffe. La chouffe, ça m'intéresse parce qu'elle parle de maison, qu'elle ne voulait pas quitter sa maison. Alors, est-ce qu'elle a fait un aller-retour à l'hôpital et qu'après ils l'ont mise à la maison et elle est partie à la maison, la chouffe, c'est ça? Parce que c'est très très important sa maison. Hein. Le prénom, c'est bien Marcella, Marcella, Martella ou quelque chose comme ça? Il faut que ça corresponde au prénom surtout. Hein. Non, j'ai pas dit Yvon. Alors, Chouf est plus là? Ah, Marcella, c'est ça. Beaucoup durant sa vie d'aller-retour. D'accord. Et en fait, elle devait partir à l'hôpital, mais finalement, elle est décédée chez elle. Moi, je pensais qu'elle était décédée à l'hôpital, mais elle disait, c'est très important chez moi, c'est important chez moi. La chouffe, c'est ça, hein, c'est Marcella. Elle est bien, c'est bien en rapport avec la ville et tout. Hein. Vous pouvez écrire en majuscule la chouffe. C'est bizarre, vos surnoms. C'est bizarre comme prénom quand même. Pas la chouffe, hein, mais pour Marcella. Ils sont rigolos, ces défunts. Non, c'est la personne décédée qui s'appelle comme ça. Alors, la chouffe. Qu'elle aime chez vous, c'est votre bonne humeur, c'est que vous êtes toujours dans le train et à réunir les personnes. Elle dit de continuer comme ça. C'est ça qu'on aime chez vous, le côté très bout en train, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'elle. Alors, elle, ce qui est bizarre, c'est qu'elle envoie beaucoup de lumière, mais de prières, comme si c'était des prières, comme si elle était en boucle avec des prières. Et alors, il faut arrêter de vous décourager. Parce que je sais que vous êtes tout le temps positive et que vous voulez toujours aller de l'avant. Mais elle est où? Vous êtes où la chouffe? Je vois pas. Est-ce que vous voyez marcher la chouffe? Je vois pas. Pourquoi vous partez quand je vous parle? J'ai mal à la tête. La chouffe, vous êtes où? Peut-être qu'elle est pas bien. Hein. Parfois, ça les perturbe, les personnes qui ont des messages. Ou peut-être plus de batterie. Ah, mais vous parlez pas, vous avez entendu tout ce que je vous ai dit ou pas? Ah, vous avez répondu où? Bon, en tout cas, j'espère que vous avez entendu.
Ah, elle a écrit, c'est exactement son tempérament, mais j'ai pas vu. Ah, maison importante pour elle, car elle a quitté de force l'Algérie en 62. D'accord. Ok. Merci pour ceux qui m'ont répété, parce que j'ai pas vu, vous êtes trop avec les messages. Ah, elle commence à me libérer la tête. Alors par contre, même si vous avez un côté très enjoué, tout ça, elle dit que vous êtes soucieuse. Il y a quelque chose qui vous perturbe en ce moment. Et je ne sais pas si c'est le déménagement par rapport au travail. Alors est-ce que déménagement par rapport au travail, ça veut dire changer de travail? Ou est-ce que ça veut dire déménager simplement? Il y a un truc où vous êtes perturbé. Vous êtes où? Ah, déménagement de Bretagne à Toulon. Ah, d'accord. Mais vous savez que je suis de Bandol, donc j'habite à Paris, mais je fais les allers-retours souvent. Et comme vous m'avez beaucoup demandé, après j'ai mon cabinet à Paris 8 de consultation, mais je vais en ouvrir un aussi dans le sud du coup, pour faire les deux. Ah, c'est pour ça que vous êtes perturbé, de Bretagne à Toulon. Je sais pas si ça vous allait, Toulon finalement. Il faut le faire, mais vous êtes perturbé. Vous avez l'air impressionné, la chouf. Vous êtes jamais venu sur mes lives? Bonne soirée, sol port, ton sol. Alors là, je vois pas les messages, c'est dingue. Je suis aussi impressionné. Mais vous venez pas sur mes lives. Merci pour les j'aime. Hein. Ben Fadifa, ça fait longtemps. Ah, bonsoir le Québec. Merci Laetitia. J'ai un don depuis de naissance, mais c'est parce que je prie les anges et le Seigneur d'amour. Je suis très croyant, je suis désolé, mais moi je suis croyant. Pourquoi tu dis non, Cécile, à Paribot 83? Parce qu'il n'est pas le seul, c'est ça que tu dis? La chouffe, elle est où? La chouffe a répondu. Ah ben je vois pas parce qu'il y a trop de messages alors. Ah, c'est une première pour vous, Bouchra? Alors, je ne sais pas du tout où elle a répondu, ce qu'elle a répondu. Est-ce que quelqu'un peut me réécrire, s'il vous plaît, ce qu'elle a répondu, parce que je vois pas. 100 000 j'aime? Ah ben, dis donc. Bon, lui, il est perturbé, lui. Hein. Oui, c'est ce que je me disais, mais l'univers, d'être désolé, je dis pourquoi je dis ça. Non, ils font pas dodo. Non, j'ai un cabinet à Paris 8 et peut-être je vais en ouvrir un à Saint-Nary ou à Toulon. Alors là, chouf, elle est restée sur le live car elle a entendu son prénom Alexandra. Qu'est-ce qu'elle a dit, la chouf? J'ai pas vu. Bon, en tout cas, le déménagement, vous allez le faire, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Hein. Bonne soirée, Angélique, à bientôt. C'est ce qu'elle a dit, Alexandra, bon. Ah, merci Sonia. J'espère que vous avez vu le live. Après, vous pouvez le revoir sur la chaîne YouTube, Nicolas Dalim. Mais je devrais mettre des petites voix off. Donc la chou s'appelle Alexandra. Ah d'accord, Alexandra. Elle a entendu son prénom, donc elle est restée. Ah d'accord, ok. Bon, ben, heureusement alors.
Bon, ben ça va, s'il est fait. Ah, bonsoir à Kyoto. J'ai eu des gens qui m'ont appelé du Japon. Vous êtes de partout. Ce qui est bizarre, Alexandra Lachou, c'est que vous allez passer, finalement, vous allez faire le triangle. Parce que vous allez aller vers le sud-ouest après, hein, vous verrez. À bientôt, Céline Langlade, bonne nuit. Bonsoir les Landes, bonsoir la Lorraine. Le livre, on peut l'acheter partout. Vous pouvez taper dans Google Le chuchotement des anges par Nicolas David. Et vous pouvez l'acheter sur Amazon, sur la Fnac, sur Deux Citres, Chapitre, partout. Alors, parfois les librairies, il faut le commander, hein. Alors, Robert, si c'était par rapport à votre petite, qu'il la serrait très fort et qu'il était très fier, et par contre que vous étiez très possessive avec elle. Bonsoir, Antonio. Louise, la première fois sur le live. Mais vous avez vu quand même, hein? Ah, le Var, bonsoir, le Var. Ah, c'est gentil, Cécile, respectez les défunts et Nico. Alors, j'espère que ça n'a pas bugué ce live. Alors, dans le sud-ouest, c'est l'ex-mari. Alors, l'ex-mari Romain qui y vit. Alors, finalement, ça vous correspond aussi, Romain. J'ai l'impression que pour toutes les personnes que j'ai eues en connexion avec les défunts, vous avez eu en lien Romain aussi. Alors, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, bien évidemment, à vous abonner pour pouvoir être au courant lorsque je vis en live. Sinon, j'essaye parfois, je sais que je ne suis pas très régulier, de l'annoncer sur TikTok ou sur Insta. J'essaye toujours de le mettre en story sur Insta quand je vais me connecter sur TikTok. J'essaye au maximum, si ça n'a pas bugué, de rediffuser les lives sur YouTube, merci Céline, pour que les gens qui ont eu des messages puissent les revoir, les réécouter. Vous avez le livre, on en parlait tout à l'heure, Le chuchotement des anges, qui est au prix de 15 euros sur Amazon, sur la Fnac, sur Deux Citres, partout. Faites attention à vous, parce qu'il y a des faux comptes qui sont créés et qui vont vous demander de l'argent. Moi, je ne vous demanderai jamais de l'argent. Je ne vais pas vous parler non plus parce que vous êtes plus de 15 000 abonnés. Vous êtes plus de 1 200, je crois, sur Instagram et ça n'arrête pas d'augmenter. Et les gens envoient des messages. Mais généralement, c'est mon assistante qui répond. Et vous ne m'aurez jamais en direct de toute façon. Moi, pour m'avoir en direct, c'est seulement sur les lives ou après s'il y a une consultation. Mais je ne vous demanderai jamais d'argent. Donc, méfiez-vous. Vraiment, méfiez-vous. Et puis, j'essaye de revenir au plus vite. On a été 1 heure et demie ensemble. Et après, ça me fatigue un peu. Donc, je vous en prie, Christelle74. J'espère que vous allez envoyer beaucoup d'amour comme vous faites d'habitude à votre fille et que vous allez être plus sereine et plus dans l'entrain, plus confiante en l'avenir. Et sachez qu'elle est toujours proche de vous. Et pour ceux qui n'ont pas vu ce live, il sera rediffusé normalement sur la chaîne YouTube Nicolas David Medium. Merci à tous les modérateurs, merci Cécile d'amour, qu'on se voit bientôt. Et puis à très très vite, merci Marjorie. Et je vous souhaite une excellente nuit, une très bonne année 2022. Et ayez toujours de la bienveillance envers vous et envers les autres. Je vous embrasse, bonne nuit. Merci pour les j'aime aussi, 118 000 j'aime. Au revoir tout le monde, bonne nuit. Et j'espère que vous aurez un message la prochaine fois, évidemment. Allez, je coupe.